Bonjour tout le monde, bienvenue à la quatrième édition du Combat des livres de Coansville. Le Combat des livres, c'est découvrir des auteurs locaux, avoir des discussions sur des nouveaux romans et vous faire découvrir de nouveaux goûts. Alors avec nous cette année, on a Dr. Anne Rouleau qui va défendre le livre « Il préférait les brûler » de Rose-Aimée Autonne-Témorin. Après, nous avons Michel Leblanc qui défend le livre « La géographie du bonheur » de Véronique Marcotte. Et nous avons aussi avec nous Jeanne Lachance qui va défendre le livre « Foul » de Sarah Brunet-Dragon. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui les auteurs des livres du Combat des livres de Coansville pour ce premier débat. Alors, nous avons avec nous, Rose-Aimée. Rose-Aimée, j'aimerais ça que tu te présentes et que tu nous parles un peu de ton livre « Il préférait les brûler ». OK. Je suis une autrice, animatrice, reporter de 32 ans qui a décidé de plonger dans sa propre histoire pour créer une autofiction avec « Il préférait les brûler ». C'est mon premier roman. Avant, j'ai écrit un essai, il s'appelle « Ton absence m'appartient ». Je me suis inspirée de mon enfance auprès d'un père qui était mourant, en fait, qui avait un cancer incurable et qui avait décidé d'utiliser le peu de temps qui lui restait pour faire de moi une femme qui aurait tous les outils pour être libre et épanouie, mais selon ses propres termes à lui. Et ça donne un roman dans lequel on suit Fauve, une jeune fille de environ 5 à 16 ans, donc jusqu'à la mort de son père. On la voit grandir dans une famille où les choses sont complexes, voire un peu dysfonctionnelles, et on la voit persévérer à travers tout ça, et ce qu'elle utilise finalement pour s'en sortir, c'est la séduction. Donc ce livre-là, pour moi, c'est une exploration un peu du désir qui vient rapidement chez la jeune fille, une espèce d'injonction. C'est une incursion dans les perversions de l'enfance puis de la famille, mais c'est aussi une lettre d'amour à la mienne. Voilà. Merci, Rose-Aimée. Maintenant, je demanderai à Véronique de se présenter et de présenter son livre « La géographie du bonheur ». Bon, ben alors, je m'appelle Véronique, j'ai 12 ans de plus que Rose-Aimée, donc j'ai 44 ans, je suis autrice, scénariste et animatrice aussi, et la géographie du bonheur est née d'une question qui aurait pu être toute simple, mais qu'on m'a posée, mais qui ne l'est pas du tout, qu'on m'a posée dans un voyage en Haïti. Il y a une jeune fille de 11 ans qui s'appelle Clara, qui m'a demandé, Madame V, est-ce qu'il existe une géographie du bonheur? Mm-hmm. Alors, je suis tombée en bas de mon tabouret, et quand je me suis enfin relevée de là, je me suis dit, il y a un roman à faire avec ça. Et donc, c'est l'histoire de Marine et Jaco. Marine est très malade, et Jaco va l'aider à partir, donc à mourir. Et il va découvrir que sa femme a mené une double vie en Haïti, plusieurs années auparavant, et elle a mis au monde une enfant là-bas qui s'appelle Clara. Et donc, il va partir à la recherche de Clara, sauf que quand il va arriver en Haïti, Clara, elle va avoir disparu, parce que Clara, elle n'entre pas tout à fait dans le moule que lui impose son pays, et elle va essayer de se rebeller du mieux qu'elle peut en quittant physiquement les lieux familiaux. Puis, voilà, c'est l'histoire de la géographie du bonheur et j'ai pas réussi, je pense, à répondre à la question. Merci, Véronique. Et là, je demanderais à Sarah de te présenter et de nous parler de ton livre « Foul ». Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 31 ans, je suis autrice, poétesse et pas du tout animatrice, c'est vraiment très bon. Mais j'ai étudié à l'UQAM, j'ai une maîtrise en études littéraires, en création littéraire. Et puis, je travaille dans les bibliothèques, mais présentement, je suis en congé de maternité, donc je travaille à toute autre chose pour étudier. Et puis, Foul, en gros, c'est un livre que j'ai beaucoup de difficultés à résumer, en fait, encore aujourd'hui. Puis encore, en m'en venant tantôt, je réfléchissais à « c'est quoi? comment que je raconte ça? » Mais en fait, je dirais que c'est l'histoire d'une jeune femme qui décide d'emménager seule dans le village de Meurthe-et-Clé et qui fait l'expérience quotidienne de la solitude. Merci beaucoup, Sarah. Maintenant, c'est au tour de nos panélistes de vous dire pourquoi le livre qu'ils ont choisi devrait gagner le combat des livres. Alors, Anne, c'est à ton tour. Pourquoi est-ce que le livre qu'ils préféraient les brûler de
cause de mes automnes témorins, devrait gagner le combat des livres. Bien, en fait, quand j'ai... Bon, d'une part, là, d'entrée de jeu, les trois livres sont assez incroyables, vraiment. J'ai eu un plaisir fou à les lire à différents moments de la journée, de la nuit, peu importe. Vraiment, fait que ça sera pas simple. J'espère qu'on va avoir de vifs débats, mais ça sera pas simple parce qu'ils sont les trois très bons. Mais le mien est meilleur, toutefois. Excuse, mesdames. Non, faites pas ça tout le long du débat. Parfait. En fait, au départ, moi, je travaille avec les enfants. C'est vraiment une clientèle que j'aime profondément. Et c'est vraiment l'enfance qui m'a attirée, en plus du prénom et du nom de famille de Rosémée au complet, en fait, qui m'a beaucoup attirée. Mais au-delà de ça, en fait, c'est pourquoi ce livre-là devrait gagner, parce que chacun de nous a son histoire dans la famille. C'est une autofiction. L'autofiction a la vie dure, des fois, en littérature, et on peut interpréter plein de choses, mais... Je l'ai lu comme étant, c'est une autofiction qui peut nous appartenir aussi. On a chacune notre autofiction en lien avec notre famille, notre histoire. Celle de Fauve est particulière, c'est une enfant ultra allumée. Je l'ai aimée à partir de la première page, en fait. Vraiment, ça nous disait juste tout simplement que ben, l'enfant, comment il voit son monde... malheureusement, dans notre société, on ne voit pas souvent le point de vue de l'enfant. On parle de l'enfant, mais on ne parle pas avec l'enfant. Et donc, là, on a le discours d'un enfant qui voit sa famille, qui est le centre, en fait, de beaucoup de choses dans sa famille. Et de voir sa façon de voir les choses, sa logique implacable, ses dualités dans la vie, c'était fantastique, en fait. Puis ça me rappelait, moi, quand j'étais enfant, ça, je suis convaincue que n'importe qui lit ça aussi se voit, en fait, avec sa propre histoire. Voilà pourquoi il préférait les brûler de vrai gagner. Je suis émue! Merci beaucoup, Anne. Michel, c'est à votre tour. Pourquoi est-ce que la géographie du bonheur de Véronique Marcotte devrait gagner? Ben, j'ai évidemment lu les trois ouvrages. Et puis, moi, j'avais choisi la géographie du bonheur, surtout à cause du titre. Je trouvais le titre là, très attrayant. J'avais lu Lando aussi, qui donnait certaines indications. Et puis, je n'ai pas été déçu par mon choix. J'ai aimé les autres romans, mais dans un, pas parce que c'est mon choix, je pense, mais dans une moindre mesure, les autres. Parce que La géographie du bonheur, c'est un roman qui est assez touffu. Il y a de la substance, entre autres. Okay? Le roman a 240 pages, et puis il permet d'aborder plusieurs thèmes en même temps, de bien décrire les personnages, de bien les camper, leur personnalité. Ça permet aussi de cerner des émotions, ça aborde des problématiques aussi, comme par exemple l'aide médicale à mourir, comme par exemple le métissage, parce que le roman se passe en partie au Québec et en partie en Haïti. Alors, ça aborde aussi beaucoup la question des secrets que tout le monde a, des mensonges, et les secrets qui deviennent de la trahison, parfois. Ça aborde aussi, mais tout ça, même si entre les personnages, là, il y a quand même de l'amour. Mais dans le fin fond, une chance que l'amour, parce que tous ces secrets, ces trahisons-là, ils les désuniraient, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-ci. Là. Alors, c'est un roman aussi qui a des intrigues multiples. Il n'est pas unidimensionnel. Il y a une problématique au Québec, il y en a une à Haïti, il y en a... et ça se recroise. C'est pas du tout... C'est touffu, mais c'est bien tressé ensemble, ces intrigues-là. Et puis, ce qui aide aussi, je trouve, au roman, c'est une très bonne écriture, très belle écriture, là. Des phrases qui sont souvent assez courtes, mais qui sont efficaces. La langue est riche, je trouve. L'écriture est fluide. Les dialogues sont bien intégrés au récit.
Les personnages, comme je l'ai dit, sont complexes, mais bien cernés, sont attachants, il y a des émotions derrière ça. Et puis, il y a des touches aussi, des touches poétiques, il y a des expressions tout à fait bien intéressantes. Là, ça, comme par exemple, le roman commence au tout début avec l'expression, par exemple, « Ils l'aiment depuis leur premier brasier ». Alors, ça, là, il y en a quelques-unes d'autres dans la... Alors, tout ça, là, ça fait en sorte que c'est un roman qui est vraiment séduisant et qui comporte aussi, dans sa complexité, une petite part de, je dirais, de suspense. Parce qu'effectivement, là, comme l'auteur l'a indiqué, Clara disparaît, là, à un moment donné. Alors, là, c'est la recherche de Clara. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec elle, et tout ça. Puis, il y a même un autre suspense parce que, dans le fin fond, on voit que Marine est finalement est décédée. Bon, il y a la question de mourir dans la dignité, de l'aide médicale à mourir en ce qui la concerne. Mais il y a une enquête policière qui est déclenchée finalement suite à son décès inhabituel. Mais ce n'est pas la trame principale, mais ça montre quand même toute la richesse qu'il y a. Alors moi, j'ai aimé ça. Si vous avez des romans là, qui ont de la substance, qui ont du corps, vous allez apprécier ça. Wow! Tu as du corps! Wow! Merci beaucoup, Michel. Jeanne, c'est à votre tour. Dites-nous pourquoi est-ce que le livre Foule de Sarah Brunet, Dragon, devrait gagner le combat des livres? Bien, moi, je pense que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. J'avais fait ce choix-là en premier. Et j'étais bien contente de pouvoir qu'il me soit attribué. Foule me semblait juste en regardant le descriptif, Foule, au début, je n'avais pas remarqué son âge, mais ce qui m'avait attiré surtout, c'était la retraite. Elle s'était comme sauvée, enfuie de sa vie, pour aller faire une retraite. Et comme j'arrivais à ce moment-là, dans cette période-là de ma vie, ça m'a intéressée. J'ai suivi l'histoire. C'était très bien décrit. Je pouvais me faire un film au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. Je trouvais que ça venait me rechercher aussi, mais le contraire. En tout cas, quelqu'un qui veut vraiment se donner un aperçu de la retraite en lisant ce livre-là, c'est « wow ». Et puis, c'est un peu spécial que cette personne-là vivait en retrait, dans la campagne. Elle parlait à peu de gens, il n'y a pas beaucoup de personnages dans l'histoire, mais... Elle décrit vraiment ses états d'âme. Elle se contente de la nature. Elle observe la nature. Elle aime se promener. Elle vit une intrigue spéciale avec un voisin. Au fur et à mesure qu'on lit l'histoire, on se dit, mais donc, qu'est-ce qui va se passer avec son voisin? C'est presque un voisin imaginaire, finalement. Et puis... Elle reçoit pas beaucoup de gens. En fait, elle reçoit seulement qu'une amie, mais elle profite de la visite de cette amie-là pour un petit peu plus sortir, discuter, parce qu'en fait, elle discute pas beaucoup, mais c'est spécial. Et ce que j'ai aimé aussi dans le livre, c'est qu'on parle souvent aujourd'hui, bon, les gens prennent une retraite, peu importe pour quelle raison, et puis là, on la voit vers la fin comme si elle a, oui, il y a un problème monétaire autour de ça, mais c'est comme si elle a un besoin de sortir de ce lieu-là où elle habite, mais elle retourne dans le même... genre de vie, elle va aller travailler à la bibliothèque, seule encore, comme une petite ermite en fait. Mais on se pose la question à savoir,
est-ce que c'est vraiment la vie qu'elle a choisie? En tout cas, c'est intéressant à lire. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, les panélistes ont mentionné quelques-uns qui ont choisi leur livre. En fait, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on leur propose une liste de titres qu'ils doivent choisir. Je pense qu'il y avait 15 ou 20 titres de livres qui ont été publiés depuis le début de l'année 2020. Qui ont dû choisir. Donc, moi, je leur enverrai le titre, l'auteur, un court résumé et l'image de la couverture. Et je sais que Michel t'en a parlé un petit peu. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce livre-là? Pourrais-tu me dire un petit peu en plus grande profondeur, là, vraiment, qu'est-ce qui t'a attiré du résumé ou de la couverture? Qu'est-ce qui a vraiment fait, à part le titre là, que tu as fait? Oui, je vais choisir ce livre-là. Je vais lire, je pense que ça va être fantastique, puis je vais être capable de le défendre au bout. Bien, comme je l'ai dit un peu, c'est les thèmes qui apparaissent déjà là, dans la quatrième couverture. Là. Et puis, ce qui m'a intéressé, comme il y a le titre évidemment, mais j'ai trouvé la réponse d'ailleurs, j'en parlerai tantôt, là. Je vais la communiquer à l'auteur. Là. Non, d'abord, c'est le fait que c'est un roman d'actualité. Là. Ça m'intéressait. Le fait, comme je dis, que ça se passe aussi en Haïti puis au Québec. Là. Ça aussi, c'est un autre point qui on parle beaucoup des questions de mixité sociale parce qu'on voit qu'ici, un des personnages principaux, là, qui est Jaco, pour Jacques-Olivier, dans le fond, il est né d'une. Il est né d'une. Lui, c'est d'un père québécois et d'une mère haïtienne. Et des parents qui ont décidé d'arriver, de vivre, de déménager au Québec, là, au niveau, il y avait la période du Duvalier, Tonton Moquette et tout après ça. Alors, donc, on voit ce personnage-là, ça pose bien le lien avec l'Haïti, c'est ça que je voyais. Et aussi, ça donnait un roman où il y a vraiment une saveur, c'est très bien rendu, là. Je suis jamais allé en Haïti, jamais été, mais j'ai plus de besoin d'y aller. Parce que ça rend très bien là, dans les descriptions, dans les évocations, aussi dans le dialogue, parce que il est intercalé des phrases régulièrement là, en créole, avec pas trop long, mais avec la traduction qui est donnée, ou plus ou moins, en tout cas dans le contexte, on sait ce que ça veut dire. Alors, ça donne cette saveur locale. Moi, ça m'intéressait là, de voir, j'étais intrigué par ça, là. Cette saveur locale, la connaître, et puis connaître un peu plus de l'intérieur. Puis là, on voit que ça va très loin parce que finalement, ce qui est abordé là, dans l'histoire des personnages, Pierre qui vit là-bas, qui est dans le fin fond le père de Clara, ben on voit qu'il y a une enfance là, dont le père était à l'époque du Duvalier et tout ça. On voit aussi toute la question de la difficulté de la vie là-bas, malgré la beauté des paysages et tout ça. Donc, moi, c'est ça qui est venu me chercher, puis je voulais avoir, j'aime des romans qui, comme je l'ai dit, qui ont quand même des histoires à raconter qui ne sont pas unidimensionnelles. Et c'est le cas. C'est ce que j'ai trouvé là-dedans, c'est ce que j'ai rencontré, parce que... Puis je voulais sortir aussi, quand j'avais lu les autres résumés, je voulais sortir peut-être de certains romans où il y a des problèmes, bon, c'est des questions d'une crise existentielle qui sont relatées. Puis ça, je trouve qu'on en a tellement eu que moi, je regarde quelque chose d'un peu plus élaboré. Merci beaucoup, Michel. Jeanne, pourrais-tu me dire pourquoi tu as choisi Fall? Mais au début, quand j'ai regardé le descriptif du livre, ce qui m'a attiré, c'est qu'elle vivait dans le village de Notatlé. C'est un nom qui me revenait. Et puis, comme j'ai dit, au niveau de la personne, de l'héroïne, en fait, du livre, qui a décidé, a choisi, finalement, c'est vraiment un choix qu'elle avait fait d'aller vivre retirée dans la nature.
je voulais savoir qu'est-ce qu'elle faisait. Mais il y a des questions, des fois, que je me posais à propos d'elle. Et puis, ça m'intriguait. Merci, Jeanne. Anne, pourrais-tu nous dire pourquoi tu as choisi les préférés, les brûlés? Bien, en fait, je vais finir pourquoi le titre à la fin, parce que ça va être assez court. Mais en fait, surtout, je dirais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont résonné, en fait, dans le petit résumé que tu nous avais fourni. En fait, Aude, il y avait, premièrement, des choses en lien avec juste moi-même. Moi, je suis une fille unique aussi, à qui il y a eu un père qui était un personnage aussi. Donc, un lien très particulier. Fait que ce lien-là, pour moi, m'appelle beaucoup. La mort aussi, c'est un comme médecin, mais comme personne, j'ai fait des accouchements. Pour moi, donner la vie, puis l'essence, même juste un petit peu avant la mort, suscite des émotions qui sont très puissantes, qui ne se vivent pas souvent dans une vie. Et ça, c'est des choses qui m'attirent énormément dans ma profession, point, mais dans ma vie en général. Donc, ça a été beaucoup des thèmes qui ont résonné en moi très fort, et évidemment l'enfance. J'aime beaucoup les récits d'un enfant, des enfants, comment ils voient les choses, leur perception du monde, même si c'est pas le fun, même si des fois c'est dysfonctionnel, même si c'est heureux. Ça, c'était des thèmes qui étaient très importants pour moi. Et le titre, bien, si vous voulez savoir ce que je pense du titre, il va falloir voter pour moi quand même, pour la deuxième fois, parce que j'ai pas encore réussi à comprendre d'où vient le titre, même après une deuxième lecture, et je travaille fort, en fait, là. Je me dis, oups, j'ai manqué quelque chose, et je travaille très fort, et en fait, c'est pas obsessif, mais je travaille très fort pour trouver un sens au titre, et je le trouve très intéressant, justement, à cause de ça, en fait. Je vais te donner des choix de réponses tantôt parce qu'il y a plusieurs réponses qui s'appliquent et tu pourras choisir ta préférée. Ça me rassure. J'en ai plein. Super. Ben, merci beaucoup, Anne. Je me demandais, aux chers auteurs, autrices, je devrais dire, est-ce que c'est vous qui choisissez le résumé, l'endroit du livre, ou c'est plutôt l'éditeur qui fait la... Personnellement, c'est moi qui l'ai écrit, mais les deux sont possibles. Oui. C'est une discussion, c'est un choix dans la maison d'édition. C'est un choix avec ton éditrice. Moi, je dois dire que je ne l'ai pas écrit, par contre. C'est mon éditrice qui l'a écrit, qui me l'a soumis. Oui. J'ai corrigé, mais elle m'a bien fait comprendre que ça regardait la maison d'édition pour ça. Puis au final, c'était un peu la version sans mes modifications qui est parue. Je trouvais que c'était un petit peu trop exhaustif, un petit peu trop précis. Pour une quatrième de couverture. Je l'aime quand même. À mon avis, c'était un petit peu trop long. C'est la maison d'édition plutôt qui l'a écrit. Merci. Moi, je laisse toujours mon éditeur ou mon éditrice écrire la quatrième. Mm-hmm. Mais dans ce cas-ci, mon éditrice, qui est Danielle, voyons, j'ai un blanc. Elle avait pas mentionné la disparition de Clara. Fait que j'ai ajouté ça, puis le reste, tout est beau. Danielle Laurent, qu'elle s'appelle. Merci, Véronique. J'aimerais ça qu'on parle de la structure des livres. Tous trois ont quand même des structures assez différentes. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans? Jeanne, Michel? Là, là. Pardon, la structure du livre, comment le livre est formé, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire, qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant là-dedans? Oui, la structure du livre, oui, moi je peux en parler, la structure du livre, dans la géographie du bonheur, dans le fin fond, l'action, comme je l'ai dit, se passe d'abord à Montréal et en Haïti. Mais effectivement, les actions sont, les chapitres sont entrecroisés, c'est-à-dire que durant un chapitre,
ça se passe à Montréal, entre certains personnages, un autre chapitre entre d'autres personnages, la vie, ou qui sont en Haïti, tout ça. Alors, donc, il y a d'un chapitre à l'autre, ça fait moderne, c'est une façon moderne, et qui n'est pas du tout, dans ce cas-ci, là, mélangeante, puis ça fait bien, c'est-à-dire que les chapitres, le saut d'un à l'autre se fait facilement, et puis c'est agréable comme lecture aussi. Comme je l'ai dit, bon, il y a des phrases assez courtes ou plus longues, mais il y a des paragraphes quand même qui ont de la substance. Alors, la structure, je trouve que c'est très bien. C'est une structure qui est, en tout cas, facile à lire. Véronique, as-tu quelque chose à rajouter à ce point-là? Pour ton c'est un roman choral, dans le fond. Fait, je fais parler plusieurs personnages au jeu, puis c'est ma manière à moi aussi de me libérer de la troisième personne du singulier que j'ai eu à mort. Mais là, dans ce cas-ci, je parle à la troisième, puis au jeu, les deux. Fait que y a, les personnages, ça me permet d'aller plus loin dans l'émotion du personnage, puisque je parle à sa place, puis carrément. Jeanne ou Anne, je ne sais pas si une de vous deux voudrait. Dans le livre Fall, on remarque qu'il y a des pages, il n'y a pas beaucoup de texte, mais ça dit beaucoup. Je n'étais pas tellement habituée à ce genre d'écriture, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ça nous amenait plus vite, on dirait, à aborder l'autre page parce qu'on aurait hâte d'en savoir davantage. J'ai aimé l'expression dans le livre quand elle changeait de période. Dans le livre, premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement, c'est une nouvelle appellation que je ne connaissais pas. Je trouvais ça intéressant. Mais en tout cas, ce livre-là, c'est beaucoup la nature. Quelqu'un qui aime la nature, je me suis dit, l'auteur doit sûrement être proche de la nature où elle imagine la nature. Mais en tout cas, dans chacun de ses chapitres, on peut dire, elle exprime tellement bien la nature avec tous les effets, parce que dans la nature comme ça, il n'y a pas beaucoup de personnes vivantes humaines, mais beaucoup d'animaux. Sa petite biche qu'elle voit au bord de l'étang, je trouvais ça beau. Merci, Jeanne. Sarah, as-tu quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à la structure de ton livre? Moi, avant ce livre-là, j'ai publié un recueil de poésie au norrois, puis un essai au norrois aussi. Puis le livre sur lequel je travaille présentement est un recueil de poèmes aussi. Puis en fait, en écrivant Fall, je savais pas ce que c'était. Je pensais que c'était un recueil de poèmes encore. Après, j'ai réalisé, en parlant avec la personne qui est devenue mon éditrice, mais qui était à ce moment-là ma directrice de thèse, puis j'avais commencé une thèse à Sherbrooke en création littéraire, qu'en fin de compte, il y avait un fil narratif trop fort pour que ce soit de la poésie, puis que c'était plutôt... Elle appelait ça roman. Moi, j'y croyais pas vraiment pendant très longtemps. Puis au final, quand c'est devenu un processus d'édition avec elle, puis que là, on a commencé à parler de l'OMEAC, ben là, ça s'est comme concrétisé comme roman, mais à mon sens, c'est peut-être pour ça que quelqu'un qui lit plutôt du roman est comme surpris par la forme que ça a, parce que c'est plutôt une forme, à mon sens, de recueil de poésie. Mais en prose, puis avec un fil narratif quand même, mais c'est... Pour moi, c'est vraiment une œuvre hybride. Merci, Sarah. Et Anne? En fait, j'ai beaucoup aimé la structure du roman. D'une part, parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup des chroniques. Hein, je le répète encore, mais c'est vu à travers les yeux d'un enfant. Bien, un enfant, ça ne s'épare pas 40 fois sur des adjectifs, sur une structure de phrase complexe. Fait que c'est très efficace. C'est très aussi léger à la manière d'un enfant qui raconte ce qu'il voit, comment il perçoit son monde, ses gens autour de lui. Donc, les phrases nous permettent aussi, il nous reste longtemps, je trouve,
en nous, dans notre esprit, et on peut l'adapter après selon l'émotion du moment, selon ce qu'on, des personnages-là ou de notre propre vécu en lien avec ça. Donc, ça fait comme un peu une chronique ou des fois même un journal, comme un enfant qui écrit un journal, un ado, là, quand elle est un peu adolescente, pauvre, et qui, c'est ça, qu'elle est un peu adolescente, et là, elle écrit sa vision des choses, que ce soit à l'école, ses découvertes, ses explorations, son père, hein, qui est vraiment le point central de sa vie. Et même que ça devient, être un enfant, ça devient même un peu secondaire et un plaisir coupable, en fait, quand elle se permet, les rares fois qu'elle se permet d'être un enfant, en fait, c'est sous la couverte et sous d'être sûr que personne ne le voit, en fait. Donc, j'ai beaucoup aimé cette structure de livre-là, axée vraiment sur l'espèce d'authenticité des mots. Le poids des mots est important. Les mots choisis étaient superbes. Ça peut être aussi cru que poétique. Moi, je voyais beaucoup de poésie aussi dans ce livre-là, même si c'est pas du tout comme, effectivement, là, le fil... De Fowl, à Fowl et Fauve, hein? C'est quand même intéressant. On n'en a pas parlé encore, en tout cas. C'est très intéressant. Mais moi, je voyais beaucoup, beaucoup de poésie. Il y a beaucoup d'images qui viennent en tête dès qu'on lit, on amorce, en fait, le roman. Donc c'est une des. Je trouve que c'est vraiment super. Ça se lit rapidement, mais quand on ferme, ça nous habite longtemps. En fait. Puis, je trouve que ça, c'est précieux quand on lit un livre. Voilà. Puis, je voulais juste rajouter sur Fowl, effectivement, le côté très hybride. Je m'excuse, hein, je respecte pas toujours les règles. Vraiment, puis j'adorais certaines structures de phrases que tu pouvais faire sans ponctuation, sans rien, mais qui étaient un rythme. J'ai beaucoup aimé le rythme du livre, en fait. Et lire ça en pleine lune, c'était fascinant. C'est vraiment fascinant. Et Thoreau, les références à Thoreau, c'est waouh, vraiment. Je m'excuse, j'ai dérogé. Je suis pour la solidarité. Pour la solidarité féminine jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Anne. Rosélie, voudrais-tu rajouter sur la structure de toi? Oui, bien, c'est ça. Moi, j'ai choisi de faire un récit en fragments, en fait. Donc, ce sont des courts segments parce que c'est lié aussi au fond, au propos du livre, parce que. Fauve sait qu'elle a peu d'années à vivre avec son père et reçoit le conseil de sa mère de si tu veux te souvenir de quelque chose toute ta vie, prends une photo dans ta tête puis ça ne pourra jamais s'effacer. Donc le livre est la série de photos que Fauve a fait dans sa tête finalement pour jamais oublier son père mourant. Donc c'est très court, c'est des snapshots de la vie d'une jeune fille qui devient adolescente avec tout le poids que ça comporte au point de vue psychique, sexuel, familial, moral. Merci. Mais ça, j'aimerais ça que prendre un petit peu de temps pour permettre là, à nos panélistes de poser des questions aux auteurs sur le livre. Quelque chose, quelque chose vous a passé dans la tête? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Est-ce que vous avez des questions aux auteurs? Quelque chose que vous voudriez élucider? Donc, Jeanne, as-tu des questions que tu aimerais poser à Sarah? Et moi, ce qui m'a beaucoup intriguée, pourquoi l'héroïne du livre, dans le fond, mon très jeune, à 28 ans, décide comme ça d'aller vivre en retrait dans la nature. Oui, compte tenu, on voit qu'elle avait eu un héritage, mais quand même, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a... Pourquoi ce personnage-là si jeune? Pourquoi? Ah oui. C'est comme difficile pour moi, on dirait, d'essayer d'expliquer ça en départageant ma situation réelle au moment d'écrire ce livre-là, puis ce que le livre est devenu un peu, puis les choix du personnage qui ne sont peut-être pas exactement ancrés dans le même contexte que le mien, qui était similaire par ailleurs sur plein de niveaux. J'habitais
pas toute seule, par exemple, mais dans une impression de solitude un peu pesante, à l'écart de, avec mon chum, mais pas avec, loin de tout le monde, sinon. Puis lui était occupé aussi dans ses choses de son côté. Mais pourquoi si jeune? J'ai comme, c'était un questionnement que j'avais en écrivant aussi de clarifier ce point-là ou pas dans le livre. Est-ce que je l'explique plus? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'en va là? Ou ça ouvre, puis cela est un peu, puis on part de ça, puis il y a une part d'accepter qu'on ne saura pas. Finalement, comme à la fin, sa fuite n'est pas plus expliquée non plus. Est-ce qu'elle revient? Est-ce qu'elle part pour toujours? Est-ce que... Mais j'avais l'impression que c'était comme nécessaire à l'ouverture du livre, que ce soit pas trop clarifié, puis pour permettre à d'autres que moi aussi de s'identifier ou de pouvoir embarquer sur ce mouvement-là, justement, de fuite un peu qui traverse le livre. J'ai pas eu envie de trop préciser. Après, l'âge, ça doit venir aussi de la dimension où, comme je disais tantôt, pour moi, en écrivant ça, j'avais plus l'impression d'écrire des poèmes au début. Fait qu'on dirait que l'identification au personnage est plus facile dans l'optique où ce serait des poèmes. Puis après, en fin de compte, ça a été retravaillé pour faire sortir plus le fil narratif puis que ça devienne un roman. Puis là, il a fallu un peu l'écarter de moi pour que ça devienne un... Pas l'écarter, ça reste très proche, mais il y a un travail d'écriture qui fait qu'il y a une distance quand même qui se fait à un moment donné puis que le livre existe pour lui-même tout seul, en dehors de mon expérience à moi très personnelle. Mais ouais, pourquoi? C'est ça et c'est tout et c'est rien, finalement. Je ne l'ai pas expliqué, mais je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous en avez tiré. Avez-vous compris un pourquoi? Bon, c'est peut-être trop simple, là, mais je me suis dit, bon, cette personne-là est partie en retraite. Puis comme on entend régulièrement dire, les retraités retournent, hein? Les retraités retournent. Mais là, moi, je me suis dit, je pensais que quand elle est retournée à les bibliothèques, elle en avait peut-être un peu marre d'être seule toujours. Elle a repris, peut-être plus pour aussi occuper ses journées, parce que elle faisait pas grand-chose à part manger légèrement, fumer, se promener, boire du café. C'est comme, j'avais l'impression... C'était comme pour démontrer, je me trompe peut-être, là, mais que plein d'autres choses à faire. Elle était mystérieuse, en fait, cette foule-là. Mais oui, c'est intéressant. C'est intéressant le point de l'âge aussi, parce que c'est vrai que pour moi, c'est à cause de cette dimension de proximité-là, c'était évident qu'elle avait l'âge que j'avais au moment où je l'écrivais. Mm-hmm. Mais finalement, peut-être que ça aurait pu ne pas être précisé, ou peut-être ça aurait été encore plus ouvert. Mais c'est une belle dimension dans le livre, cette nature-là, parce que ça sort du... Ça sortait hors contexte de la ville, le travail, tout le temps qu'on perd dans les transports. Elle était vraiment dans la nature, c'était... En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça parce que je suis une fille de nature. J'adore faire des marches, observer. Moi, j'ai trouvé que l'éditeur, Lanando, il a fait un petit peu fausse route quand il fait une référence à David Thoreau. Parce que là-dedans, là, c'est pas la même chose là-dessus. Là, en ce sens que la jeune fille s'en va pas en... isolée dans la nature, elle va dans un village quand même, en bordure, mais dans le village, c'est pas une vie sauvage, on peut dire, là. Ensuite de ça, parce qu'elle s'isole pas pour des raisons politiques, de désobéissance civile ou autre, il n'y a rien de ça. Et puis, il n'y a pas une vie en autarcie en tant que telle. Alors, je trouve que ça oriente mal le contenu qui a sa valeur, là. Mais qui ne va pas dans ce sens-là, ce que je veux, à mon égard. Merci, Michel. Toi, est-ce que tu as des questions pour Véronique par rapport à son livre? Mais peut-être un petit peu d'élaborer sur pourquoi donc, qu'est-ce qui a déclenché cette écriture-là, et puis quel était le thème, un ou les thèmes principaux que tu voulais aborder à travers ce roman? Ça faisait longtemps que je voulais parler du suicide assisté, puis je ne savais pas comment le faire sans être maladroite ou, je dirais, imposteur. Et en l'occurrence, je voulais aborder ce thème-là
Bien, évidemment qu'on écrit pour soi aussi, hein, puis après nous, mais c'était parce que je suis complètement effrayée devant la non-liberté que pour le moment, auquel on fait face pour le moment. Moi, je vais tomber malade demain matin, je voudrais avoir cette liberté de décider de ma propre mort. Fait que ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi. Puis, d'ailleurs, le livre est dédicacé là, au juge qui a permis, une grande avancée dernièrement là, dans ça. Ça me soulage, mais en même temps, pas tout à fait. Fait que bon, ça a été un des thèmes que je voulais aborder. Je voulais aborder l'exil, puis tu sais, j'écoute Sarah, puis tout le monde, tu sais, je pense que ça reste un fantasme pour tout le monde, cet exil-là. À un moment donné, on est rempli d'angles morts dans notre vie, puis on se dit, j'aurais tellement envie de foutre le camp, tu sais. Ça fait encore partie de la liberté. Puis l'exil de Jaco, il est un peu inévitable, mais celui de Marine, c'était un exil complètement d'une liberté absolue. Cette liberté-là, moi, je la vis dans ma propre vie. J'ai cette prétention. Yes! et j'avais le goût de faire de Marine un personnage lumineux, même si ce personnage-là meurt dès la première page. Mm-hmm. Puis, bien évidemment, Haïti, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. J'aime pas beaucoup parler de moi, c'est mon éditrice d'ailleurs qui a eu l'idée du jeu, mais cette fois-ci, j'ai eu vraiment du fun à le faire parce que j'ai eu la Chine de ma vie là-bas. Je pensais que j'avais eu peur, j'ai jamais eu peur de ma vie, outre que quand je suis arrivée là-bas. Je pensais que je m'étais déjà sentie toute seule, c'est faux, la solitude, je l'avais jamais ressentie autrement qu'en Haïti. Et donc, c'était tellement urgent pour moi de me sortir ça, de sortir ça de moi, tout ce que j'avais vécu là-bas, que ben, je me suis servie du personnage de Madame V pour le faire. Mm-hmm. Alors, j'ai fait un chassé-croisé de 2-3 thèmes qui m'habitaient, puis que j'avais pas le goût de faire un roman par thème, fait que je me suis dit, moi, toutes les notes dans le même, ça va bien passer. Efficace. Et ça fonctionne. Non, merci. Ben, merci beaucoup. Anne, as-tu une question ou des questions pour Rosemary? Ben oui, en fait, j'en ai deux, ben le titre. Oui. Yes. On va éclairer le titre en partant. En fait, c'était pour moi, il, je me disais, bon, il, c'est le père, mais là, j'étais pas certaine. Je me dis, qu'est-ce qu'on brûle? Qu'est-ce qu'on préfère brûler dans la vie? Ça a été la première lecture, je ne me suis pas bordée avec ça, mais la deuxième, j'essayais de comprendre, de voir où étaient les pistes. Voilà. Il y a une phrase dans le livre où je fais référence au fait que le père a abandonné des enfants avant d'avoir Fauve, puis que c'est le seul enfant vraiment qui a décidé d'élever. Puis, il y a une phrase où on dit qu'il aurait pu construire des maisons, mais il préférait les brûler. Ouais. Fait que, tu sais, au sens très littéral, là, c'est l'idée de la famille. Ouais. Il préférait les abandonner, les anéantir, finalement, plutôt que les construire. Mais au-delà de ça, je dirais que le personnage du père de Fauve préférait brûler les femmes. C'est un livre qui est très féministe, à mon avis, puis c'est un rapport particulier à la femme, c'est-à-dire qu'il l'adore, il adore sa fille, il n'a jamais aimé personne comme il a aimé sa fille, mais il a un besoin de contrôle, donc en tant que père, il décide de la former, parce que finalement, est-ce qu'il aime tant la liberté de la femme, ou il a tout le temps besoin d'avoir l'ascendant sur la femme? Oui. Donc, c'est une lecture féministe du titre, il préférait brûler les femmes. Mais après ça, il préférait peut-être brûler son entourage, ses amis. C'est quelqu'un qui vit sans le poids des conséquences parce qu'il croit à la liberté absolue, mais il ne croit pas tant à ce qu'il peut faire pour aider les autres. Donc, rendu là, il n'y a que lui à nourrir. Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'il est très peu. Autant il y a un amour complet pour Fauve, dédié, mais zéro protecteur. Non. Zéro à l'écoute. Certaines fois, oui, mais pas protecteur, pas présent au moment où Fauve a besoin qu'on soit présent pour elle. Et c'est la mère qui prend tout ce rôle-là, qui a un rôle puissant, mais qui est considérée comme une traîtresse, en fait. Exactement. Donc,
Fait que oui, en fait, c'est un, puis le personnage du père, c'est un personnage qu'on aime et qu'on déteste, dépendamment de la page où on est rendu, en fait. Là, je me rappelle plus des back and forth que j'ai faites. Tout le monde à qui je l'ai fait lire, oui. Là, avant publication, ma première question, c'était « qu'est-ce que tu penses du père? » Parce que la seule réponse qui était satisfaisante pour moi, c'est « je l'adore, je l'ai ». Oui. c'est la seule chose. Ouais. Ça pouvait pas être un entre-deux, ça pouvait pas être seulement un, c'est... Le parent est complexe, puis une des volontés que j'avais avec ce livre-là aussi, c'est de dire, tu sais, on peut adorer un parent même si c'est un mauvais humain. Exact. Parce que c'est ça la famille, puis l'inverse peut être vrai aussi, mais tu sais, entrer un peu dans le tabou du lien filial qui n'est pas si clair, là. Absolument. Mais en fait, c'est... Puis dans une société où chaque parent doit lire 40 livres sur la parentalité, comment bien dormir, comment manger, comment... l'instinct parental, il n'existe plus beaucoup. Je trouvais que c'était un livre justement très assumé côté parentalité, qu'on n'est pas parfait, là. Non. Puis c'est pas grave. Puis des fois, c'est pas le fun, c'est vrai. Puis des fois, c'est très bien. Puis c'est ça justement, la deuxième question, c'était dans le... là, je disais ça, puis il y avait beaucoup de références à la perfection, hein, avec Fauve devait être parfaite en tout, même dans son anxiété, elle devait être parfaite, j'adorais cette phrase. Mm-hmm. Donc, elle devait être parfaite dans son anxiété, elle était parfaite avec les travailleurs sociaux qu'elle rencontrait, elle disait exactement ce qu'il fallait dire, à l'école, dans sa culture, tout. Puis là, je me suis dit, et là, Fauve, après 16 ans, après, elle est où, puis comment elle deviendrait? Est-ce qu'elle s'est servie de cette unicité-là que son père a voulu lui donner, puis dire « t'es unique, le monde va être à tes pieds, ma fille », c'est un peu ça. Fait que là, voilà, c'est une question. J'ai écrit tout un essai là-dessus, parce que j'ai fait les affaires à l'envers. Au fond, j'ai écrit « Ton absence m'appartient », qui est un essai où je parle de ma véritable histoire avec mon père, qui vraiment voulait faire de moi une femme parfaite. Puis ça a été un grand poids dans ma vie. Puis avec l'essai, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Mm-hmm. Alors, je suis allée rencontrer des personnes qui ont vécu dans l'attente d'un grand deuil, que ce soit celui d'un membre de leur famille, d'un de leurs sens, donc perdre leur vue en sachant qu'ils vont la perdre avant leurs 30 ans, perdre d'un pays, un exil, pour leur dire comment on transforme tout ça, là, cette anxiété, ce besoin de plaire, ce besoin de séduire, ce besoin d'être parfait, comment on en fait un moteur qui soit sain et qui ne va pas juste me rendre complètement folle. Donc, grâce à cet essai-là, moi, je suis arrivée à des réponses qui me donneraient envie de dire que Fauve s'en sort bien, qu'il trouve une paix d'esprit, qu'il réussit à faire le ménage dans son legs en disant on y a planté un paquet de semences, certaines qui sont extrêmement toxiques, puis d'autres qui criment méritent de fleurir, c'est à moi de voir qu'est-ce que j'arrose ou pas. Mais la vérité, c'est que je parlerai de moi et non pas de Fauve. Qu'est-ce qui arrive à Fauve? J'ai envie d'y laisser cette liberté-là parce que crime, on a voulu la contrôler depuis sa naissance. Exactement. Fait que c'est certainement pas moi qui vais dire quoi faire maintenant qu'il est libre de l'homme Dieu de son existence. Exactement. Mais sûrement qu'elle va essayer d'en séduire d'autres puis finir par se tanner puis comprendre qu'elle a son propre pouvoir. Excellente réponse. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais ça faire le renvers des choses, puis demander aux autrices si vous avez des questions pour le panéliste qui défend votre livre. C'est quelque chose qui arrive jamais, c'est la première fois dans le débat, je pense que ça vient de me passer à la tête, alors... Moi, j'en ai une. Si les filles veulent réfléchir, j'en ai une. Est-ce que ça t'a amené à réfléchir à ton propre lien avec tes parents? Ben oui, en fait, forcément, parce que chaque... comme j'expliquais, moi, ma relation avec mon père qui était très saine, en fait, mais c'était un personnage. Il était plus grand que nature à mes yeux, en fait, mais aux yeux de beaucoup autour. Puis des fois, je lisais des choses, puis c'est comme « Ah, tiens! Ah, tiens! » Puis j'étais tout dans sa vie, en fait, puis il aspirait pour moi de grandes choses, en fait, sans être non plus là, constamment, je pourrais pas bien le dire, là, mais c'était correct, en fait. J'étais capable de le prendre, mais oui, en fait, c'est pour ça que je disais que c'est ce que j'aime de ce livre-là,
c'est que ça nous permet de replonger dans notre propre histoire. Mm-hmm. Puis ça, ça nous permet de nous définir. C'est ça qu'on est aujourd'hui, c'est comme ça. Puis c'est avec nos imperfections, avec nos perfections, avec nos obsessions, avec notre façon de voir les choses qui est comme différente. Puis j'aurais envie de répondre à Véronique, que pour moi, ma monde, c'est une géographie du bonheur, mais chacun, on est tous des pays, puis on est tous sur la map monde, puis on a notre propre sentiment, je pense, on a notre propre sentiment de bonheur à définir selon le pays qu'on veut visiter, finalement. Là. Mais, bon, ça, c'est moi là, qui dis ça, mais bref, fait que oui. Puis, si je peux juste une autre mini-question, il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles avaient été choquées par le livre, pas d'hommes. Puis je comprends leur point. Beaucoup m'ont écrit pour dire la dimension sexuelle de l'enfant-fille m'a révoltée parce qu'elle a fait écho à mon propre parcours ou à ce que je veux pas me rappeler. Est-ce que toi, tu as été. Non. En fait, je le voyais comme un exutoire, un peu comme. C'est pas du tout le même propos, mais c'est le même angle d'attaque, là, comme je sais pas si tu as lu les livres de David Diderot, La bête à sa mère, entre autres, où la sexualité est omniprésente. C'est un garçon, cette fois-ci, qui est le centre et qui explique sa dysfonctionnalité complète, en fait, mais d'une logique impeccable. Ouais. Et la sexualité devient importante pour lui permettre de réussir à passer la porte et continuer à vivre. Ouais. Puis moi, je voyais la sexualité chez Fauve dans cette optique-là qui lui permet de juste... OK, parce que la pédopsychiatre qui lui dit, puis qui la confronte, puis qui la pousse dans le mur, puis qui dit « Hey, tu t'es-tu déjà choquée dans ta vie? Ouais. » Non. Mais tu sais, j'avais l'impression que la sexualité, pour moi, était cette forme-là d'exutoire. Fait que non. Moi, je peux répondre à ça parce que je pense que ça prenait une deuxième lecture. Oui. La première lecture, là, je trouvais que ça prenait de la place. Oui. Mais dans le fin fond, la deuxième lecture, là, non, j'ai trouvé que c'était vraiment accessoire. Oui. Que ça faisait partie du personnage, puis de son évolution, de sa formation, et puis que non, là, c'était plus pareil. Ah, je suis contente d'entendre ça. Cool. Merci. Merci. Véronique ou Sarah? Moi, j'en ai deux qui m'ont fait c'est très égoïste là, comme question. Là. Je veux savoir, moi j'ai un trip de fou là, à créer des personnages. Puis il y a un personnage secondaire là-dedans que j'ai bien aimé faire qui s'appelle Aurore. Mm. Ben oui. Puis, pour moi, c'est pas un personnage secondaire. Non, ah bon? Non, pour moi, là. Non, je suis tellement contente. Non, le tandem que c'est avec Jaco, là. C'est un tandem, puis même aussi toute son histoire, parce qu'on voit que c'est une ancienne journaliste qui a parcouru le monde, qui a écrit, qui a vécu, qui a du vécu. Et puis, elle agit avec Jaco, là, non, elle agit comme, je sais pas, une conseillère, une tante, une bienveillante, puis tout ça. Non, je trouve ce personnage-là, il est bien campé, il est utile et nécessaire. Je vous dirai, out of record, pourquoi je pose la question, parce que c'est une anecdote bien trippante. OK, mon autre question, c'est je veux savoir si la peur... Parce que, évidemment, je me suis fait beaucoup demander, étant donné que c'est Madame V qui parle au jeu, puis la fabuleuse question, la peur de vrai, la peur de faux. Ça vous a-tu agacé, ça? Je ne l'ai pas vu venir vraiment au début, là. Dans la lecture, mais après ça, là, ça s'est bien intégré parce que dans le fin fond, on voit que il y a un petit peu derrière ça de bio-roman en partie, là, et puis que on voit dans le fin fond, on voit l'utilité, c'est que finalement l'auteur, Madame V, est mise en scène là-dedans, mais pour raconter comment cette histoire-là, elle a eu connaissance de cette histoire-là, comment elle a vécu cette histoire-là, comment elle peut la raconter. Pour que, la partager avec d'autres, dans le fin fond. Alors, non, ça ne m'a pas... Ça m'a pas non, vraiment, là, ça s'est bien passé. Au début, je tombe dans une biographie ou quoi? Non. Okay, il y a un bioroman, il y a des éléments, mais ces éléments-là, en bout de ligne, là, ils donnent plus de crédibilité au récit. Oh, c'est cool.
Il y a un point que je voulais aborder, que je n'ai pas abordé tantôt aussi, parce que cet élément-là aussi aborde la question, puis ça revient à deux, trois endroits, quelques endroits dans le roman, des éléments ou des éléments d'érotisme qui sont intéressants, qui sont très bien rendus, là. Puis ça donne une... Il y a quelques phrases, j'en ai noté deux, trois, là, comme par exemple, ici, là... On a Jaco là, qui fait l'amour avec Marine pour la dernière fois, puis ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait parce que là, elle s'apprête à partir. Là. Et puis, la phrase que leurs corps se sont reconnus tels qu'autrefois, avant la maladie, avant cette période de privation inévitable. Le couple a réappris à valser. Ça, j'ai beaucoup aimé. Puis il y en a un autre, là. Encore une fois, là, c'est Aurore avec son dernier de ses trois maris, là, Maurice, celui avec lequel elle est restée en lien important, mais séparé quand même, où la réflexion, Maurice a entendu quelque part que faire l'amour passé 70 ans était une forme d'éloge de la lenteur. Il y a d'autres endroits de même, là, que j'ai beaucoup apprécié. Là. Et puis, effectivement, l'intégration un petit peu là, de bioroman ne nuit pas, parce qu'il y a aussi d'autres éléments entre deux femmes qui sont très touchants. Absolument. Moi, c'est le secret à travers tout ça qui m'a comme intriguée. Je me mettais à la place de comment pouvoir vivre cette expérience-là, puis muette, là, mm-hmm. parce que son Jaco n'était pas au courant de rien. En tout cas, c'était toute une vie pour elle. Ben, c'est la trahison. Là. Ça, c'est bien rendu, la trahison. Ouais. Il se questionne souvent à plusieurs reprises là-dessus. Là. Il lui en veut à Marine. Ouais. Là. Il en veut à mort, mais c'est trop tard. Tu sais, quand il allait dans sa chambre, ouais. Tout doucement, il chuchotait. Tout un secret. Comme on le voit, la page 71, il en veut tout de même à Marine, ça c'est Jaco, d'être parti en Haïti, de lui avoir menti sur les raisons qui la faisaient rester là, d'avoir abandonné une enfant qu'elle avait mis au monde, d'être rentré en gardant le silence sur cette histoire immense, d'avoir continué comme si de rien n'était. Me demander de te tuer pour t'arranger, pour que je trouve le cahier dans lequel il y a pas tout ce qui se passe. Ouais. Ah non, il y a une intensité, elle était bitch un peu là-dessus. Elle était bitch un peu là-dessus, maintenant. Oui. Oui, mais on voit quand même que les liens d'amour étaient plus forts, en bout de ligne. On voit avant, même après, il réussit à passer à travers ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est ça qui va lui permettre, là, il n'a jamais voulu avant, là, de renouer avec ses racines haïtiennes dans le fond. Ouais. C'est ça qui lui permet à se décider puis à y aller en Haïti. Ouais. Il n'y avait jamais été. Il n'était pas question d'y aller. Bon, on ne l'encourageait pas à y aller. Non. Et un beau déroulement. Oui. Merci. Anne, t'avais-tu un autre commentaire que tu voulais rajouter? Ah, mais non, je voulais juste, en fait, je voulais comme un peu pimenter la chose en disant que ça m'avait dérangé au début, le côté Madame V, en fait. Ouais. Puis, effectivement, le fait que ce soit un roman choral, il y a tellement de personnages, il y a plein de beaux personnages. Moi, je pense que j'ai aimé plus tous les personnages secondaires que Jaco. Tu sais, Jaco, oui, bien sûr. En fait, il est surtout très attachant, en fait. Là. Ah, puis il est beau, on a là, le goût d'en faire. Ça fait vraiment dans mon écriture. Ouais, en fait, moi, c'était clair pour moi qu'il était très beau. Ah, oui, c'était beau, c'était clair. Mais tu sais, on a le goût de le prendre par la main. Puis de le, mais les pertes, moi, le petit Bernard, là, je l'aime tout beau. Ah, il est cool. Vraiment. Aurore, bien sûr. Mais j'avoue que la joue de Madame V, au départ, ça a été quelque chose de... C'est, quand on revenait, je n'étais jamais sûre. Je me disais, ah, oh, pourtant, il y a toute l'autre histoire qui arrive jusqu'à temps qu'elle rencontre l'Américaine, en fait. Ouais. Et là, pour moi, ça a été comme une histoire nouvelle, parallèle à tout ça, mais là ça a pris tout son sens. Est-ce que tu avais une autre question?
Désolée. Est-ce que tu avais une autre question, Véronique? Non. D'accord. Bon, bien, Sarah, est-ce que tu as une question pour Jeanne ou les autres panélistes? Oui, en fait, je serais curieuse parce qu'on parle beaucoup dans Fall du rapport à la nature, justement, mais je serais curieuse de savoir comment vous avez interprété ces relations aux autres. Mm-hmm. Parce qu'ils sont peu nombreux et peu présents, mais pour moi, c'était quand même des éléments importants de l'histoire aussi, que ce soit ses parents qui viennent la chercher à Noël, brièvement. Son ami A qui se présente inopinément chez elle, son voisin. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que je veux dire par rapport à la nature? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on parle beaucoup de la dimension où, dans sa solitude, elle s'intéresse beaucoup à la nature. Puis, je me demandais juste qu'est-ce que vous aviez pensé de ces relations? Comment vous expliquez ces relations interpersonnelles dans le livre? Avec les autres personnages? Bien, ça n'est comme un peu surprenant dans le sens que... Moi, j'aurais pensé qu'elle aurait été contente, votre personnage, mais elle, sa solitude, là, ça lui suffit. Mm-hmm. Ça la dérange, on dirait, de recevoir quelqu'un, surtout pas à dernière minute comme ça. Mm-hmm. Et puis, oui, elle est partie avec ses parents, mais c'est pas quelque chose qui l'enchantait tellement. Elle est contente de revenir. Laissez-moi tranquille, je suis bien, je suis ici. C'est contrairement... Tout au contraire de moi, moi, je ne suis pas capable de vivre une solitude comme ça, mais ça m'a fait réfléchir parce que je pourrais faire cette vie-là. Mm-hmm. Puis plusieurs personnes, des fois, te demandent, bon, à ta retraite, tu as un petit chalet dans le fond des bois, ah, tu vends, tu t'en vas rester là-bas. tu sais, c'est quelque chose, un personnage comme ça. Là, c'est, ouais. Mais elle n'est pas si malheureuse que ça, elle est bien. En fait, je le voyais aussi comme un peu un rapport un peu autistique avec l'autre, en fait. Elle aime beaucoup les autres en autant qu'ils soient à côté. Ouais. Dans la bibliothèque où elle se sent vraiment bien en fin de session, elle le décrit. Ouais. Le goût d'être dans la bibliothèque avec elle, là, il y a l'atmosphère feutrée, les étudiants avec leurs livres, qui travaillent à leurs travaux. C'est très bien. Mais tu sais, toujours à l'extérieur, son rapport avec le voisin qu'elle finit par internaliser, le voisin, il a pis. Lui, la chair et l'os du voisin, c'est plutôt un détail, hein, en fait, mais qu'elle l'internalise vraiment et qu'elle en fait un personnage. Son ami également, fait que il y avait beaucoup de crainte, j'avais l'impression qu'elle avait un peur. Tu sais, la grand-mère, là, elle semble être un point, même si elle est prononcée quelques fois dans le livre, semble être un point central à son départ et à cette espèce d'exil à travers la nature jusqu'à s'y fondre un peu, là, sa fameuse clairière, prairie, où elle va tout le temps, en fait, là, et donc, voilà. Moi, je trouve aussi qu'elle a des relations strictement utilitaires, dans le fin fond, avec des personnages. Elle ne veut pas avoir de relations interpersonnelles, sauf avec un, son voisin, finalement. Elle fantasme sur son voisin. C'est curieux, parce que celui sur lequel elle fantasme, celui avec qui elle aimerait finalement avoir des relations, lui il fuit, il veut pas, il voit pas ça, puis non, c'est... Donc, elle en voudrait des relations, mais pas capable de l'en avoir pratiquement. Et puis, même on voit quand elle reçoit son ami, là, puis dans le fin fond, au bout d'une journée étalée, là, ça peut s'en aller, là, on voit quand même qu'elle a besoin d'une grande solitude, là, mais que ça lui pèse quand même. Mm-hmm. Il y a des gens qui... Ça démontre très bien dans le livre qu'il y a des gens qui sont capables de vivre ça, s'autosuffer. Ils n'ont pas besoin des jet-sets, d'aller voir des pièces de théâtre, de se promener. Elle, au village, elle va, comme vous disiez, c'est pour ses besoins. Elle va s'acheter quelque chose très peu pour se nourrir, mais elle n'a pas le besoin d'entrer en contact avec les autres. Mais je ne suis pas convaincue qu'elle le fait par... Je suis pas convaincue, par contre... qu'elle n'est pas triste de ça, qu'elle n'en souffre pas, parce qu'à la fin, on sent une souffrance avec son amie A. Elle est un peu tannée, ça ne tente pas, mais en même temps, elle ne veut pas tellement qu'elle parte, mais elle ne sait pas trop comment y dire, puis ça faudrait qu'elle se commette, c'est là qu'elle n'est pas sûre de vouloir se commettre, mais en même temps, elle l'aime beaucoup, on le sent. Puis à la fin, quand elle part, ben c'est ça, est-ce qu'elle retourne dans la vie normale? Donc, je ne suis pas convaincue que ce n'est pas une souffrance à un moment donné. Au moment qu'elle le vit, ce qui accentue cette facette-là, là, c'est que le récit est presque tout à la troisième personne. C'est toujours elle. On est toujours détaché du personnage. Alors, on sent que le personnage se détache de lui-même pratiquement avec cette...
troisième personne-là qui est quand même particulière. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant parce qu'on dirait que les réactions que ça provoque sont très tranchées. Moi, a priori, quand j'avais montré ce livre-là, je trouvais ça tellement sombre, puis tellement souffrant. Puis mon éditrice, elle, était comme « Mais non, mais c'est lumineux. » Puis finalement, après le choix de la couverture, qui était le choix de l'édition aussi, le choix de la quatrième, ça a comme mis de l'avant plutôt la dimension lumineuse. Puis moi, ça me flabbergaste encore à ce jour. Parce que mais je trouve ça très beau, finalement, qu'il y ait une pluralité de lecture puis de sens. Mm-hmm. Tout le monde va y chercher qu'est-ce qu'il faut au lecteur, finalement. Il va chercher ce qu'il faut pour lui-même. Bien, un lecteur qui est solitaire, qui... Parce que souvent, quand on voit des personnes comme ça, on se dit, bien voyons, comment tu fais pour vivre cette vie-là? Bien, moi, je suis correct là-dedans, tu sais. Tu dis, bien voyons, ça se peut pas. Mais oui, il y a des gens qui se complaisent. Mais pour moi, ça ressort chez une personne qui est dépressive. Hein. Moi, je ne semble pas déprimée. J'adore ça. Merci. Donc, on approche à la fin du débat. Et pour faire la clôture, j'aimerais que chaque panéliste, en quelques courtes phrases, une ou deux, peut-être trois, dise aux citoyens et participants qui nous écoutent pourquoi est-ce que le livre qu'ils ont choisi devrait gagner le combat des livres. Donc, je vais avec Jeanne. Pourquoi est-ce que le Foal de Sarah Brunet-Dragon devrait gagner le combat des livres? Bien, moi, j'encourage fortement les lecteurs de choisir ce livre-là par choix, peut-être intrigués aussi, mais du fait que nous sommes dans la région, moi, c'est ça aussi qui m'avait frappé, notre athlée, Sherbrooke, c'est comme régional. Et les gens qui se posent des questions ou qui veulent en savoir plus sur la solitude, est-ce que c'est bien ça que je vis, que je veux vivre? Bien, moi, je trouve ça intéressant comme livre parce que c'est pas négatif du tout. C'est même réconfortant de voir le déroulement de l'histoire dans cette courte période de l'héroïne, en fait. Merci, Jeanne. Michel, pourquoi est-ce que les gens devraient voter pour la géographie du bonheur de Véronique Marcotte? Bien, parce que c'est le meilleur. Ils sont tous bons. Mais c'est le meilleur, pourquoi? Parce que pour moi, c'est un roman qui est l'étoffe, que je l'ai dit, qui a de la substance, qui est accessible, qui est crédible, qui est d'actualité, qui est contemporain, dont l'écriture est très, très bien faite, la narration. Alors, vous lisez ça là, en une soirée, même si ça a 240 pages, et puis vous sortez de là avec plein d'idées, plein de... Alors, c'est un roman à lire à tout prix. Merci, Michel. Anne, pourquoi est-ce que tout le monde devrait voter pour « Il préférait les brûler » de Rosemée Autonne Témorin? Ça marche. Alors, ben moi, j'ai la chance de finir, en fait, donc avec le meilleur livre, bien sûr. Pourquoi on vote pour Il préférait les brûler? Parce que l'idée de rentrer dans la tête d'un enfant et de voir son parcours à travers une charge puissante sur ses épaules, hein, de devoir veiller son père pendant des années et des années et des années en attendant qu'il meure, en fait, et à travers un papa... Hein, qui décide, qui a été bien dit aussi avec le mythe de Pygmalion, en fait, là, qui décide que sa création, il lui fait sienne et elle sera tout simplement parfaite et unique. C'est une ode aussi aux parents, on l'a abordé tout à l'heure, fait que c'est une ode aux parents, qu'il n'y a pas de parents parfaits, on peut se retrouver dans sa propre histoire avec tout plein de sourires en coin quand on lit ça. Alors, c'est un livre, malgré la lourdeur la lourdeur en termes de pour l'enfant, en fait, là, du thème, c'est un livre lumineux pour moi. Alors, on se revoit la semaine prochaine, je suis sûre. Merci, Anne. Alors, j'aimerais ça remercier les autrices,
Rosemée, Véronique et Sarah de nous avoir rejoints aujourd'hui et d'avoir participé à ce beau débat. J'aimerais ça remercier aussi Anne, Michel et Jeanne de savoir, d'avoir joué le jeu pour participer au combat des livres. Maintenant, c'est à votre tour, cher public, de participer. Alors, je vous invite à voter sur la page Facebook de la ville pour le panéliste qui a mieux défendu son livre, tout simplement en écrivant le nom du panéliste, donc soit Anne, Michel ou Jeanne, dans les commentaires sous la vidéo du débat. Donc, tous ceux qui votent vont courir la chance de gagner une carte cadeau de 100$ chez Attraction Musique. Et vous avez jusqu'au 16 octobre pour voter pour le premier tour de vote. Nous allons éliminer un des panélistes pour le prochain débat. Par contre, ce panéliste va quand même nous rejoindre pour participer aux discussions. Alors, j'espère que vous serez à l'écoute au débat final qui sera le 17 octobre à 14h. Merci à tous. Merci. 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 Merci.